ça, papa avait dit quelque chose, il est mardi. Ici, personne ne mourra, tous les enfants sont protégés. Vraiment, Dieu a fait un grand miracle dans sa vie. Tout a commencé quand ma femme était enceinte. Les médecins, ils ont dit qu'il fallait stopper la grossesse parce que, je ne sais pas, il y avait un kyste ou myome qui s'est développé en même temps que l'enfant. On est venu à l'église, papa a prié. Du coup, quand elle est partie encore faire sa visite, on a dit que c'est bon, le kyste là a disparu, l'enfant développe bien. On arrive avant, à 9e mois, l'enfant n'arrivait pas à tourner. Il était dans une position. Les médecins ont dit que c'est difficile d'accoucher comme ça, il faut faire l'opération. Comment dire, l'anesthésie, tout ça, mais ça n'a pas marché. Pendant qu'on opérait l'enfant, moi j'étais là, je regardais, comme ma femme, elle pleurait. Je croyais que j'allais la perdre, ou elle, ou l'enfant. Mais Dieu a fait miracle qu'ils sont sortis. Le 30 octobre, on préparait l'anniversaire surprise pour ma femme. Avant ça, papa avait dit quelque chose le mardi. Il a donné même l'exemple de mon fils Jaden. Il a dit, père là, est-ce que depuis que vous êtes là, Jaden a déjà été à l'hôpital. Ici, personne ne mourra, tous les enfants sont protégés. Et il a dit ça mardi, on est arrivé fin de semaine, je ne sais pas si c'était quel jour. On était sur les passages piétons comme ça. Moi, j'ai porté notre bébé. Du coup, j'ai vu une Audi A6 qui venait. Quand j'ai vu que la voiture n'avait pas l'intention de s'arrêter, je me suis arrêté. J'attendais pour que la voiture puisse passer. Et puis, nous, on traverse. Pendant que j'attends la voiture passer, la voiture, quand elle arrive devant moi, j'ai attendu seulement un coup. Boum! Je ne savais pas qu'est-ce qu'il a... Enfin, je n'ai même pas remarqué, je n'ai rien senti. Je dis, boum! Quand j'ai regardé, j'ai vu l'enfant là où il y a maman Myriam. L'enfant, elle est partie là où il y a maman Myriam. Elle est partie encore toucher notre voiture qui était à l'arrêt. J'ai pissé sur place. Donc, je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, j'ai perdu l'enfant. La voiture s'est arrêtée à côté des baffles là-bas. Et l'enfant, là où il y a maman Myriam. J'ai couru avec ma fille pour chercher l'enfant. J'ai vu l'enfant commencer à pleurer. Il m'a dit, papa, papa. Je regardais d'abord la tête pour voir s'il y a des sangs ou il y a... Vraiment, en plus, quand il est parti, il y a sa veste qui est divisée en deux. Il y a l'autre morceau qui est resté. Les chaussures sont restées. Il est parti avec des chaussettes. Quand j'ai vu l'enfant, il n'a pas de chaussures. J'ai dit déjà, les pieds là, ça ne va pas. J'ai regardé, j'ai vu seulement il pleure. J'ai vu ça coule partout, le nez, la bouche. Mais quand il a dit papa, j'ai dit non, il est encore vivant. Ouais, mais je ne savais pas maintenant. Maintenant, je ne savais pas. Je ne savais pas si il avait des mal aux pieds ou là où il est brisé, je ne savais pas. La première des choses, quand il est touché d'autres voitures, il est rentré même sous la voiture. Je l'ai pris, j'ai dit lève-toi. La femme n'arrivait pas à s'élever. J'ai dit, t'as mal où? J'ai commencé à lui parler pour voir s'il n'a pas perdu sa mémoire. J'ai dit, t'as mal où? Il a dit, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la tête. Je l'ai pris comme ça, j'ai dit, lève-toi, lève-toi. La femme n'arrivait pas à se mettre debout. Mais pendant qu'on regardait, j'ai dit au chauffeur, j'ai dit, on va vite à l'hôpital parce qu'il a vraiment mal. Pendant que le chauffeur venait pour que je ramène l'enfant à l'hôpital, j'ai vu l'enfant commencer à marcher. L'enfant qui n'arrivait pas à se mettre debout, qui avait mal à la tête, j'ai pris l'enfant, j'ai vu l'enfant commencer à marcher. Il a arrêté de pleurer. Mes frères et sœurs, j'ai vu les miracles dans mes yeux comme ça. Je n'arrive pas à croire. Non, 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 non. Laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Merci, merci. Il m'a étonné. Dieu m'a étonné. Quand j'ai regardé la taille de la voiture, et au moment où il y a eu l'accident, quand j'ai senti, boum, au moment où il y a eu l'accident,
J'ai vu la voiture, son pare-choc est rentré dedans, la réservoir est cassée, il y a les liquides de lave-glace qui coulaient dans la voiture. Mais l'enfant n'a rien du tout, même pas gratinir. Donc, on a appelé les pompiers, ils ont venu, ils ont dit non, vous êtes sûr qu'il y a eu l'accident. Le chauffeur lui-même, il est là, il était en train de pleurer, il a appelé même sa femme, il est en train de pleurer. Il a dit appelle seulement la police, appelle la police. Parce que lui-même, il a dit que... Oui, vraiment, ça a étonné tout le monde. On a dit, bon, on va quand même aller à l'hôpital pour faire des contrôles au cas où il y a des douleurs à l'intérieur, tout ça. Mais déjà, j'ai rendu gloire à Dieu quand on est dans l'ambulance. Ils ont regardé, ils ont vu que la fois déjà, il n'y a rien. On lui a dit, t'as mal où? Il a dit, j'ai pas mal. On le touche, t'as mal où? J'ai pas mal. Moi, j'ai dit, bon, on m'a demandé... Comment ça s'est passé? J'ai dit, moi, j'étais au passage piéton. Je n'ai même pas vu l'enfant courir pour traverser. La voiture l'a pris. Donc, du coup, on m'a dit, bon, il était dans... Vous traversez de quel côté? J'ai dit, dans ce sens-là. Donc, le choc va être de ce côté. Déjà, le pare-choc de la voiture et la calandre, ça arrive ici. Donc, c'était vraiment assis dans une voiture. Donc, j'ai dit, s'il a pris ici, ou là, je ne sais même pas où la voiture l'a touché. Mais on a senti tous, boum, sa veste est divisée en deux. Il y a les chaussures qui sont restées, je ne sais même pas comment les baskets, ce n'était pas des chaussures, mais des baskets bien serrées. Mais ils sont restés sur place. L'enfant est parti comme ça, pieds nus. Mais on arrive à l'hôpital, même l'ongle, même pas un seul cheveu. On a fait des scanners. Ils ont dit, il n'y a rien du tout. Même pas une gratinure. Entre temps, la voiture où l'enfant a été touché est rentrée dedans. Il y a eu des bosses dans la voiture. Il y a eu la réservoir qui est cassée dans l'autre Audi. Mais lui, il n'a rien. J'ai dit, mais il est en plastique. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait. Non. Et pourtant, il y a longtemps, j'avais perdu mon cousin. Il était tombé juste de l'arbre comme ça. On regardait le foot. Il était sur l'arbre, il est tombé, il a pissé, il a fait caca, sur place il est mort. Mais un enfant de 3 ans comme ça, avec cette choc, la voiture roulait à plus de 50 à l'heure. Parce que s'il roulait doucement, il allait tomber sur place, il allait rouler dessus. Mais le choc l'a fait que l'enfant est projeté là où il y a maman Mariam. Mais Dieu vraiment est bon. On est dans les bons ici. Je vous dis, on est dans les bons. Et toutes les paroles que papa déclare ici, il faut les prendre vraiment au sérieux. Il est bon notre Dieu. J'ai vu les miracles. Dans mes yeux comme ça, j'ai vu. Je me disais, mais s'il arrivait quelque chose, comment j'allais encore vivre sans lui? Quel allait être l'état de papa? Je ne sais pas. Ou de l'église? Je ne sais même pas. Mais Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon. Je ne sais pas où la voiture l'a touché. J'arrive pas à croire. Vraiment, comme un ballon, il est parti, vraiment, je ne sais pas, mais... Il n'y a que Dieu. J'ai vu les miracles quand l'enfant de Ornella est tombé. Mais là, je vis encore, j'ai dit non. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu.